Bonjour et bienvenue pour une petite revue. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui n'a pas effectivement cette couverture du tout, parce que ça, c'est un SP. Ça s'appelle Que le meilleur gagne et ça a été écrit à quatre mains par Turner Horst et Thomas Enger. C'est aux éditions Gallimard, la série noire. Et apparemment, c'est le début d'une série, une saga, peut-être une trilogie, je ne sais pas. Et j'ai vraiment adoré, j'ai été happée tout de suite dans l'histoire. On a donc un flic, alors c'est Blix, je crois, alors c'est des noms norvégiens, donc j'ai pas tout retenu, qui va enquêter, qui va être mis sur une enquête parce qu'une jeune journaliste a alerté la police comme quoi une ancienne championne de haut niveau avait disparu. Et elle a disparu le jour de la sortie de son livre très très polémique. Voilà, donc il est mis sur cette enquête, mais ce Blix, ce flic, s'aperçoit qu'il connaît la jeune journaliste d'une affaire assez ancienne qui l'avait bouleversée à l'époque. Et donc il va être tenté de lui donner des infos. Mais lui, c'est un flic, elle, c'est une journaliste, donc ça va pas forcément très bien aller dans la hiérarchie. Et en même temps, ce flic, il a une fille qui a une vingtaine d'années et qui participe à un jeu de télé-réalité. Et ça l'angoisse aussi beaucoup que sa fille soit mise sous les feux des projecteurs. Surtout que, à un moment donné, on s'aperçoit là dans l'enquête que bah, la sportive de haut niveau, c'est pas la seule à avoir été victime de enlèvement, meurtre, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a d'autres personnalités publiques célèbres, des célébrités qui sont aussi retrouvées assassinées par exemple ou disparues depuis longtemps. Et voilà. Et donc ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment super addictif, très dynamique et c'était vraiment vraiment très très bien. J'ai vraiment adoré.